Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le 20h. Voici les titres de ce vendredi 23 août. Sans les skis. Cela fait maintenant 38 jours que le gouvernement gère les affaires courantes depuis les élections législatives. 38 jours que Matignon attend son ou sa nouvelle locataire. Un record sous la Ve République. Le chiffre est symbolique. Il souligne l'impatience des différentes forces politiques pour dénouer la situation. Emmanuel Macron a commencé à les recevoir aujourd'hui. Sabri Soltani et Loïc Germain. Yeah. Pour lui. On revient en France avec un chiffre, moins 12%, c'est la baisse du prix du fioul domestique sur un an. Alors même si on n'a pas forcément envie de penser au chauffage en plein été, faut-il faire le plein maintenant? C'est la question conso d'Emmanuel Tixier et Louis Vial. Vous vous souvenez sûrement du Yukunkun, le plus gros diamant du monde dont parlaient Louis de Funès et Bourvil dans Le Corneau. On pensait qu'il n'existait que dans la fiction. Eh bien, peut-être pas. Regardez. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Dans un instant, le journal météo-climat de Florent Boutet, puis votre feuilleton Ainsi grand soleil, suivi de votre série policière Capitaine Marlowe. Demain, à 13h, vous retrouverez Julien Benedetto et je vous donne rendez-vous à 20h. Très bonne soirée, à demain. Retrouvez toutes les...